J'ai passé l'été enfermé à regarder les Olympiques. Je suis tombé raide en amour avec une gymnaste roumaine. Êtes-vous malade? Trouvez-vous un autre jeu! On avait peut-être pas l'âge de voter, mais on aura fait notre part pour l'indépendance du Québec. C'est comme ça que ça a commencé. Pour les 10 années qui ont suivi, on a marché ensemble. Timmy, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit! Face au mur. À partir de là, c'était fait. Tilouis, Dan, Eric. Tout le temps. Disons que j'étais très bien parti pour mal finir. Ça fait 7 grammes qu'on vend à 15 piastres. On va pusher. Ah, cool! Tu veux du chimique? Du LSD? Beaucoup. En moins d'un an, on avait pris le contrôle sur une école de 3000 étudiants. Wow! Qu'est-ce que vous faites en cachette? Vous mettez pas? T'es pas mon point? Non, certain. Parce qu'avec moi, tu marcherais direct en esti. 15 ans en secondaire 4, on menait la grosse vie. Ça marchait en maudit, notre affaire. Un peu trop, peut-être. Parce que si Pa ou Ma apprennent que tu vends de la dope, tu vas les briser. Puis si tu leur fais de la peine, tu vas me trouver sur ton chemin. Puis ce qu'ils font là, les autres? T'as juste à dire non, les gars, ce soir, je reste avec ma blonde. Je te jure, c'était la dernière fois que tu me faisais ça. Elle a tenu sa parole. C'est un peu flou aujourd'hui. Mais quand on est sortis, on avait changé. On n'était plus des ticus qui cherchaient l'aventure. Arrêtez. Ça a été le début de la fin. Il manquait des grands bouts quand t'étais en dedans. Moi, je pense que c'était le côté illégal. L'aventure qui me faisait triper. J'aimais ça être un bum. On vend du chocolat pour financer notre voyage scolaire. Voulez-vous nous encourager?